Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, les amis. Faut savoir, là, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, vous ne pouvez pas comprendre la folie et la vitesse qui règne dans nos esprits frêles et innocents. Enfin, innocents peut-être pas, parce qu'il m'a tué dans le précédent épisode. Et qui c'est qui m'a tué dans l'épisode d'avant? Voilà, allez, voilà. Toi, tu m'as tué de manière honteuse. Bon, toi... Dois-je le rappeler? Dois-je rappeler des circonstances atroces du sommaire? Tu as eu l'honneur de te faire tuer par une bouteille enchantée. Non! Ah si! Ah non, non, non! Ah non, 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 j'ai des rushs qui prouvent la vérité à notre public. J'ai été tué par un criminel qui a casté un bloc pour faire venir ses copains les mobs. Bah oui, mais bon. Non, mais c'est pas possible. Je me fais tuer un 1v1 contre un zombie, quoi! Ouais, mais c'est un zombie. Ah, Mianster! Oui? Tu vas me tuer. Qu'est-ce que t'as fait? Le serveur est en hard. Quoi? Ah oui, c'est pour mon autre série, le serveur est en hard. Je t'avais demandé et tout, je t'avais dit ouais, on le met bien en normal, mais depuis le début? Non, depuis le dernier épisode, c'est pour ça qu'on galère. Tout s'explique! Tout s'explique. C'est pour, c'est pour ça. Illuminati. Non, non, mais je viens de comprendre là, il me restait 3 coeurs et demi et le zombie, un coup il m'a tué, je viens de comprendre. Bon. Sur ce. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué, on a de plus en plus de mal d'accéder au stuff. Ouais. J'ai vraiment peur pour le stuff là. Bah, moi je serais de conspiration folienne de l'abandonner ce stuff. Parce que pour les abonnés, je trouve que c'est pas cool de rester sur un truc pendant 8 heures. Je suppose que t'es d'accord là-dessus. Ouais, je sais. Et après, c'est vrai que c'est beaucoup de stuff et que. Et puis surtout qu'il y a un CD à cet endroit. Et si on est. Et si... Et oui, bah, il y a un CD dans cette grotte. Et si on arrive à récupérer le stuff, à deux, on y arrive facilement, je pense. Mais le problème, c'est le récupérer. Ouais. Parce que sinon, où est-ce qu'on pourrait aller? Bah, sur l'autre branche. Ouais, éventuellement, on peut faire ça, mais no stuff. Parce que avec le creeper qui a pété dans notre maison, on a plus grand chose. Eh, c'est la grosse galère là. Oh là là, ouais. Parce que oui, si vous n'avez pas vu le dernier épisode, on a eu aussi un problème dans la maison. J'en pleure, mec. Mais oui, mais c'est absolument horrible ce qui nous arrive. Toi là, tu m'as tué juste avant. Non, vas-y, par un silverfish, mais bien sûr. Ah bah c'est, le pire c'est qu'on sait qu'on est en hard, mais on ne redémarrera pas tant qu'on n'aura pas ce foutu stuff. Oh, ah non, mais ils ont pop dans le tunnel et tout, mais non. Ah non, mais maintenant ils sont partout, hein. Oh là là là, ouais, non mais c'est... Non, non, mais ok, ils ont tous repop. Donc ça... Allez, moi j'y suis allé, ça a un peu pété, parce que j'ai fait péter du creep et ouais, tout. Ouais, ouais. Bon, quitte à mourir, je vais mourir en héros. C'est impossible de passer, là. C'est impossible. Oui, c'est très difficile de passer. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de stuff pour se restuffer. Comment on va faire? Petit A, voler et vendre de la drogue. Petit B. Pardon. What? What? Quoi? What the fucking. What? Mais c'est. Mais. Tu t'es fait prendre dans une source d'eau? Mais. Mais il y avait une vingtaine de mobs! Mais oui, ils ont tous repop! Mais d'où 20 mobs? Je sais pas. Bon, il nous faut un lance-flamme, est-ce que t'as un lance-flamme? Non, il reste des TNT. Est-ce qu'on a de quoi les activer même ces TNT? Je crois qu'on a de la redstone. Je vais regarder. J'y suis. Déjà un truc qu'on aurait dû faire depuis longtemps en fait, c'était changer notre spawn ici. Ça serait déjà tellement plus... Ouais. On a de la TNT, mais on n'a pas de quoi la... Enfin, on a de la TNT, on a de la redstone, mais on n'a pas de stick pour faire des torches. Mais on a un arbre, apparemment. Mais qui est pas sûr de son info. On a un arbre, apparemment. On a un arbre. À moins que ce soit un concombre géant, Jean-Pierre. On a un arbre qui n'a plus de tronc. Mon dieu, c'est la grosse galère. Hé hey. Ouais. Non, y a un mob qui m'en veut. C'est bon. On a de quoi se faire un briquet avec le seul lingot de fer qui nous reste. Non, non, non. Eh ouais, mais bon. Monster. Allez, faut y aller. Hein. Les TNT, c'est le seul, notre seule chance. T'en assumes les conséquences, vas-y. Ouais, bah de toute façon, au point où on en est, on n'a plus rien, donc... Eh, mais t'es sûr qu'il y a un CD? Ouais. Regarde. Ah oui, Black Ice Cave. Mais est-ce qu'il serait pas à droite?
Bah peut-être, limite, hein. Mais... Vas-y, continue à gauche, je vais à droite, j'ai pas de vie, j'ai rien. Ouais, tu veux le rush pour voir. Va voir, rapido, on sait jamais, parce que imagine c'est là, on l'a... D'accord. Ça va? Oui. What? What? Je spawn dans des endroits bizarres, les amis. Ça spawn où? Dans un endroit où je suis obligé de mourir. Quoi? Sous les sources de lave. Logique. Alors, on va arrêter de se... faire n'importe quoi. Les amis, on espère, parce qu'on ne le sait pas, on a enchaîné les deux épisodes à une vitesse, si vous saviez. Entre deux épisodes, de manière générale, il y a au moins 5 minutes, parce qu'on discute, on se fait un peu les retours chacun sur l'épisode, on discute un peu de ce qu'on fait dans l'épisode qui suit. Là, on a coupé, j'ai fait « T'es prêt pour recommencer ?» Il m'a fait « Ouais !» J'ai commencé une intro, il m'a dit « Wow, attends, j'ai pas lancé l'enregistrement !» Il m'a dit « C'est bon, j'ai refait une intro !» C'était à une vitesse qu'on sait pas encore si vous avez été encourageant dans les commentaires, mais on espère, on a confiance en vous, nous. Oh, oui. Oh. Mon dieu, bah, j'ai pas réussi même avec les TNT. Est-ce que tu les as butés? J'en ai buté une partie, ouais. Mais il reste deux TNT qui sont dans la nature aussi maintenant. Ah, parce qu'en plus, tu y allais avec toutes nos TNT, mais vous êtes fou, monsieur. Ouais, il y en avait que 3, donc. Mais, hey, t'as participé à FK, tu sais ce que c'est, 3 TNT. Hein. Je sais, mais bon. Ah là 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 là! Ok. J'ai même plus accès à ma maison! Ah ouais, non, mais attends, là c'est la catastrophe. Est-ce qu'on a. Attends, Hunter, puisque t'es au spawn, est-ce qu'on a des lits? Quelque part, pas loin. Parce qu'il faudrait déjà qu'on sette notre spawn dans notre base, ce serait tellement plus simple. On n'en a pas au spawn. Je crois qu'il y en a un, tu sais, un peu plus bas là. Je sais pas si tu vois où. Absolument pas là pour le coup. Là où on descendait à chaque fois par les échelles. Tu sais, au niveau du balcon. Un peu avant les pyramides? Ouais. Non. On les a déjà ramenés ceux-là, non? Mais ils sont où alors? C'est fou ça. Je sais pas. Je sais qu'on en a pas dans l'ancienne base. Où il y avait. Enfin, où j'étais allé chercher le CD. Parce que j'y suis resté assez longtemps pour savoir qu'il y en avait pas. Mmh. Mais après, où est-ce qu'il y en a de manière certaine? Ouais. Compliqué, voilà. Compliqué. Et le pire, c'est qu'on a pris tous les coffres des alentours. C'est... Compliqué. Ici... Moi, je suis en train de courir en mode « Vous ne m'attraperez pas !» Et le pire, c'est qu'il y a des mobs spawners. Ah non, ça va pas commencer des ici, quand même. De quoi? Non, je me fais attaquer par des araignées empoisonnées dès l'entrée de la grotte, maintenant. Voilà. Ah ouais, non, il me reste 3 cœurs et j'ai pas de bouffe, mais génial. Oh. Il me reste 2 cœurs et j'ai pas de bouffe. Eh, mais ça mène où ici? Curieux, ça. Les amis, là, il y a de la concentration quand même qui émane de nos... Ouais. De nos deux corps. Je dois vous avouer que là, on n'a pas envie de faire trop de conneries. Ouais, mais voilà, tu vois, là, il me reste 2 cœurs, il y a les araignées qui m'attendent. C'est... C'est mission impossible, quoi. Hop, oui, vas-y, descends. Aïe. Bon. Qu'est-ce que je... Ah, voilà. Oh là là. J'ai peur qu'on se bloque comme ça et qu'on stagne. Bah ouais, c'est ça le problème. Et le pire, c'est qu'on a pas de quoi se refaire du stuff, quoi. C'est ça qui est rageant. Non, je refuse de mourir par ça. Pas de silverfish. Mais ça fait trop mal. Bah oui. Enfin, c'est vicieux comme mob. Ouais, c'est fourbe. J'aime tellement pas ce mob. Alors écoute, je tente encore une technique différente qui est... Ah bah c'est ça, moi pareil, depuis tout à l'heure, je tente des choses. Le enfin, mur. Moi je tente le bourrin, j'ai créé un nouvel accès pour arriver à la maison. Mais je crois que de toute façon, notre stuff, ça me paraît difficile de l'atteindre maintenant. Aïe. Non, d'où... Oh non, bah voilà, génial. Alors attends. Ah, tu t'es fait tuer par un silverfish, tiens. Je reviens du côté de la pyramide, vérifier qu'il n'y ait pas de lit. Ouais, je me suis peut-être trompé. J'espère que je me suis trompé, écoute. Dès que je m'arrête de marcher pour régénérer ma vie, ma vie arrête de régénérer.
Faut vraiment qu'on vire le hard, hein. Ouais. Ah, un demi-cœur de vie. Et tu tournes quoi en hard? Ma série avec mots créatures. Mais non, mais je te dis une connerie, c'est pas sur serveur là. Non, on n'est pas en hard, Hunster, en fait. Tu es un menteur. Non, mais j'ai confondu, mais ça veut dire qu'on n'est pas en hard. What? Juste mauvais, en fait. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est qu'on... Enfin, oui, déjà, on est mauvais, mais... Je pense qu'en fait, depuis le début, on s'attaque pas aux bonnes zones avec le stuff adéquat. Je pense, bon, en tout cas, ici, y a rien. Et tu vas aller où? Eh ouais, c'est ça le problème. Bon, allez-y, tuez-moi, là, de toute façon, je serai plus rapidement revenu au spawn. C'est ça le problème, mais là, le... on n'a pas de stuff. Vas-y, tue-moi. Génial, même quand je cherche à mourir, j'y arrive... Comment ce qui vient de se passer est possible? Je me suis pris deux creepers en pleine face, ils m'ont enlevé 0,5 heures. Comment c'est possible? Je sais pas. Parce qu'on meurt que quand on veut mourir, pas mourir. C'est un théorème qui s'appelle le théorème de la mort involontaire. Mm-hmm. Donc hein, c'est par le créateur de... J'ai pas de fin à cette blague. On a un mini espoir, Hunter. J'ai du cuir, et une pelle et une canne à pêche. Est-ce que t'as une moustache? Non. Ah, donc tu ne peux pas faire cuir moustache. Non, mais surtout que j'ai une pelle. Je te vois. Enfin, je crois t'avoir vu. Je suis en train d'aller dans l'Égypte antique. Ah, mais je viens d'y aller. Moi, mon but, c'est pas d'aller vers Delhi, c'est d'aller vers une autre optique de chemin. Ok. Pendant ce temps, déjà, je répare le chemin. Parce que même s'il y a des coffres un peu pourris, genre avec de la merde ou deux épées ou des trucs comme ça, bah pour nous, ça vaut beaucoup. Ouais, non, mais carrément, là, je viens d'obtenir 48... Mais à côté de ça, on a encore nos 3 CD, mais pour moi, j'étais persuadé qu'on en avait plus. On en a perdu un, non? Non, il était par terre. Ah bon, c'est limite le plus important, mais... C'est le plus important, mais si on n'arrive pas à accéder à la salle des CD, qui est, je pense, plus du côté où je suis que du côté où t'es. Ouais. Parce qu'en fait, l'endroit où t'es, je pense que c'est même pas une salle. Enfin, on dirait un accès central qui mène à tout, mais en fait, je crois que c'est une feinte, hein, ce truc. C'est possible, hein. Mais, bah, on a fait toutes les ouvertures et c'est à chaque fois des cul-de-sac, hein. Non, il y en a une qu'on n'a pas faite, celle en face, là, on l'a pas faite. Il y en a une qu'on n'a pas faite? Ouais. Ouais, mais on en a fait beaucoup. Oui. Côté de ça, c'est vrai qu'il en reste sûrement une, enfin si tu le dis, je te crois, qu'il faudra faire. Alors écoute, je tente une technique, mais vraiment, rien à voir. J'ai une pelle, donc j'y vais vraiment en mode je descends dès l'entrée de la grotte. Et j'essaie de me procurer un chemin. Alors là, je vous fais le topo, il fait ça, et dans les 2 minutes 26... Il va me faire « Bon, Hunster, j'ai atteint la bedrock, j'ai pas trouvé de chemin. » C'est possible. Mais là, j'entends plein de mobs mourir, donc je pense pas, tu vois. Ouais, bah, oh, sauf s'ils se sont bloqués dans la bedrock. Tiens, ça fait mal. J'ai quelque chose, là. Le mec qui est super sérieux. Tiens, j'ai quelque chose, là. Avec un niveau comme ça, tu sais quoi? Tu sais où j'ai atterri? Sur notre stuff. Pas sur notre stuff, mais... A priori, pas loin. Où est-ce qu'on est, là? Sors ton portable, Google Maps. Oh non. Cassez-vous de là, les zombies. Eh, il y avait un lit. Ah non, il n'y est plus. Mais il y avait un lit ici, je crois, à un moment. Alors ici, on y est déjà allé, les amis. Mais c'était il y a longtemps. Et je me rappelle plus exactement de comment était le paysage urbain. Ah oui, c'est cette zone qui est un peu badass. Hunster. Oui. Je veux pas te faire de faux espoirs, mais je crois que j'arrive à notre stuff. Je crois. Je veux pas te faire de faux espoirs, mais j'ai découvert une nouvelle zone qui a l'air trop badass. D'accord. Bon. Voilà, je voulais pas te faire de faux espoirs. Elle était cool cette zone, mais je suis mort. Mais t'étais où? De l'autre côté. Enfin, après la pyramide, après le truc de glace badass. Bon, je vais revenir vers toi et je vais essayer de réparer un minimum les ponts, enfin me débrouiller pour aller dans l'autre accès dont tu parlais. Ah tiens, ici c'est cassé maintenant. Hop. Est-ce que...
Normalement, là, je dois y être. Si j'ai pas fait de bêtises, je dois y être à peu près. À peu près. C'est le problème du à peu près. Ouais, mais c'était éclairé, il y avait l'eau qui inondait la salle, donc j'y étais quoi. Ah, t'as réparé l'accès. Bon, bah oui, tant qu'à faire. Oh. Je suis quelqu'un de gentil. Ouais, c'est bizarre. Ouais, t'as vu? Je vois pour l'instant pas où est l'accès dont tu me parlais. Dès que tu rentres dans la grotte sur ta gauche, juste après le gravier, sur la gauche, tu vois un trou qui part dans le sol. Juste avant, même avant que l'eau démarre. Hein. Attends, mais. Ah non, mais. Non, non, mais je parle de l'accès depuis la grande zone. Ah non. Tu m'as dit qu'il y avait un autre chemin qu'on n'avait pas Ah bah exploité. oui, en face, quand tu passes sur le pont, il y a Ouais, on l'a le... pas exploité celui-là? Non, non, on l'a pas exploité. Snowy Plain, deux records. C'est un endroit où il y a deux enregistrements. Ouais, mais à mon avis, c'est encore plus chaud, quoi. Mec, Ouais. il faut qu'on y aille. Pourquoi? C'est un no man's land avec du bois et il doit y Sérieux? avoir des coffres de partout. Alors écoute, Mec, c'est... viens m'aider et si on n'arrive pas, on va prendre ça. Non, non, Non? il n'y a pas de si on n'y arrive pas, tu viens. Tout de suite. Ok. Ok. Si je meurs, je te rejoins. Ouais, oublie pas un pas de TP. Non, non, pas de TP. Non. Je suis autour de la zone, mais j'arrive pas à me repérer en fait. Je pense que l'épisode 13 nous portera chance. Oui, on est au combien là? 11? 10? 10. Ouais, 10, je crois. Alors, il y a des arbres, je les casse pas tout simplement parce que j'ai pas envie de les casser et de risquer des choses. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. Ok, donc je suis arrivé dans une zone. Va falloir que je fasse un truc là. Je vais tenter une percée. Bonjour, monsieur le Silverfish qui bug. Bonjour. Alors, je m'excuse d'avance, les amis, si ça ne mène à rien. Mais il faut essayer. Bon, je vais tenter des choses. Je veux savoir vers où je suis. Full stuff en diams! Non, je rigole. Mais j'ai deux arcs et de quoi faire pas mal de flèches si je coupe du bois. Ok. Bon, écoute, je vais te rejoindre, je vais aller. Ouais, je vais me suicider parce que de toute façon, là, ça mène à rien ce que je fais. Je vais essayer de sortir pour voir où je suis, mais. Ok. Je vais te rejoindre. Qu'on puisse se restoffer, quoi, tu vois. Bah franchement je pense que sur une zone comme ça il y a moyen de regagner bon pas un stuff complet de malade voilà hein, t'es lucide quand même Ouais. mais quelque chose de plutôt agréable. Après je me trompe peut-être on va peut-être se retrouver avec que dalle. Bon, écoute. Bon. Ah. Alléluia, alléluia. Bon, allez, soyons fous. Est-ce que c'est que... Non, c'est pas comestible, les citrouilles. Où est-ce Enfin, que je pas... suis là? Eh ben, j'aurais pas eu le temps de voir où j'étais. Bon, allez, je te rejoins. Alors, par contre, la zone... Oh, badass! Attends, Oh, attends, badass! Hunster, Oh, Hunster. badass! Oui. Où est-ce que je suis? Donc, pardon. Je suis sous la lave. Ah, ok, saute, tu vas mourir. Génial! Non, mais c'était obligatoire, c'est comme ça que je suis mort tout à l'heure et je t'ai dit, oh, je suis dans une zone bizarre. Ouais. Ah, la Mec, vache. mec, mec, Oui. puisque tu sais pas ce qui vient de se passer. Non, dis-moi. J'ai un stuff full cuir pour toi. Oh yes. Attends, t'as pas la fin de la phrase. J'ai un stuff full buy pour moi. Attends, t'es... Ouais. Ah, pas mal. Et j'ai une épée en stone pour toi. Oui. J'ai une épée en or pour moi. Ouais, t'as remarqué, je me kiffe plus que ce que je t'aime. Non, mais vas-y, vas-y, c'est toi qui l'as trouvé, fais-toi Ah plaisir, non, non, mais... mais carrément, mais enfin, on fera. Enfin, je vais essayer de. Je pense que je vais te filer l'arc enchant ou l'épée en fer. Enfin, Voilà, et on va aller faire cette satanée grotte. Je te rejoins, je Non, te rejoins. C'est bien non. l'intersection d'en face, sur le Ouais, grand pont. ouais, ouais. Et moi, je reste dans la zone là que j'ai exploité. Parce que y a moyen de faire des choses vraiment cool. J'ai pas fini de la faire. Elle est assez grande. Malgré ce qu'on peut croire au premier abord. J'arrive. Tu vas... Je traverse là, donc je vais te dire. On a un farmer à TNT. Sans déconner. Enfin, à Creeper. J'arrive. Alors, attends, j'ai un bug de chunk. Ah non, c'est pas. Waouh, c'est grand.
Ouais, va à gauche. En descendant? Ouais, tu descends, tu vas à gauche sur les petites structures. Ah, j'en vois, on dirait un arbre. Ouais, il y a un bout d'arbre que j'ai cassé normalement. Ah ouais, non mais c'est... Ah par contre, ici, la nuit... C'est l'horreur, mais... Oui. Bon, j'ai pris très cher. J'ai pris très très cher, mais j'ai réussi à casser un... Ah oui, il y a pas mal de trucs ici. Ah oui, oui. Nickel. Alors viens, il y a du stuff pour toi. Il me faut de la bouffe, moi, à tout prix. Mais... Je suis là. Bah, il y a des... Ah non, c'est pas des melons. Non, c'est des pastèques. Là, il y a des trucs pour toi. Dans le coffre d'à côté, il n'y a plus rien. Nickel. T'as de la nourriture? Non, malheureusement pas. Ok, alors tu vas faire un truc parce que j'ai plus de vie. Donc tu vas le faire pour moi, c'est aller casser le mob spawner. Il est où? Il est là. Mais attends, j'ai pas de pioche. Oui, mais à la main. Il va pop. Oui, mais il va pop, c'est clair, mais... Attends. Oui, il est clair qu'il va pop, hein, mais c'est comme ça. Moi, j'ai réussi à casser le premier. Ça roulait. Au pire, s'il y a un creeper qui pète, je pars et il pète tout. Mais c'est quoi, c'est un donjon ici? On est où, là? Je sais pas, mais il y a un coffre. Passe pas devant moi. Il y a un coffre avec du cuir, du sable et de la TNT. Ok, well played. Je remonte, je vais mettre des trucs dans le coffre. Ok, il y a plein de mobs encore en bas. Mec, utilise des coffres du haut comme coffre de backup. Il y a moyen de mettre des trucs. Voilà, moi tout ce que j'ai eu là pour faire des flèches, je le laisse là-haut. D'accord. Tout ce qui est cuir et tout, je laisse là-haut. Là, il y a un arc enchanté, un arc tout court, je laisse là-haut. Je garde juste l'épée et le stuff sur moi. Et encore, je suis tenté de me suicider. Ouais, je vais me suicider. Pourquoi? J'ai pas assez de vie pour assumer un stuff comme ça. Ok. T'as regardé un peu ici? Attends, n'y va pas dans la suite, je vais y aller. Non, je regardais juste là sur le toit. Ok. Alors en dessous, j'ai sauté et t'as une espèce de long labyrinthe un peu chiant, je pense, avec que des creepers partout, donc on ira pas maintenant. Au pire, avec du sable? Tu penses pas? Franchement, il y a tellement d'autres spots safe, enfin, ou qui ont l'air. Ouais. Je serais tenté de revenir moi aussi parce que la nuit commence à arriver. Ouais, la nuit commence à arriver et l'épisode touche à sa fin si je ne m'abuse. Ouais, attends, il y a pas un lit dans cette zone qu'on pourrait ramener? Il y en a pas, j'ai l'impression. Il y a des lits nulle part dans ce jeu. Il y a des lits nulle part. Il y en avait, on les a cassés. Et depuis, on n'a pas de laine ni rien pour en recrafter. On les a perdus, ces lits. On a bien des lits quelque part. Ouais, mais ils devaient être dans le coffre. Je crois qu'ils étaient dans le coffre et du coup... Non, mais on a bien dû en mettre quelque part, des lits. Pas possible. Bah, t'as bien vu. Hein. Je suis là. Ouais, bah, t'es où? Attends. Derrière. T'as gardé le staff? Le mien? Ouais. Le tien, je l'ai laissé en sécurité dans le coffre. Ouais, mais je te conseille de laisser le tien en sécurité. On va aller se balader. Je te suis. Fais gaffe, nique pas ton staff. Ouais. Hop, meurs. Ouh, là-bas, il y a un truc qui a l'air cool. En plus du gros cratère, hein, un peu plus loin, il y a un truc, une structure attachée à un mur. Alors attends, parce que moi, c'est dangereux que je te suive quand même. J'ai plus beaucoup de bouffe, donc je vais bientôt plus pouvoir sprinter. Ok, alors là, il y a un bâtiment assez bizarre. Cratère, je crois que c'est une météorite. Je suis là, attends, j'arrive. Je le vois pas, ça charge. Et dessus, il y a des trucs genre mis en arrêt de fer. Je peux plus courir. Je suis sûr que dans cette météorite, il y a des items. Les amis, hein, là, j'ai pas de vie, j'ai rien, donc j'en profite pour aller explorer. Pourquoi l'araignée m'a pas attaqué? Alors, attends, voyons voir. Ouais, je te vois. C'est assez joli. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait pas un CD là-dedans? Dans la météorite? Pourquoi pas? Bah franchement, moi c'est ce que je regarde là, mais... Y a pas... En tout cas, on sait que si on veut du fer... Non mais casse-toi toi. Si on veut du fer, c'est par là. Fer, c'est un très bon spot, ouais. Donc là, je vais crever. Genre, y venir deux jours, ça peut être un bon spot. Ouais, je pense que demain, on y retournera. Ce qui correspond à l'épisode de jeudi, je pense. Oui. Parce que de toute façon, là, on va s'arrêter.
On va s'arrêter, moi là j'ai besoin d'aller check. Mais non, mais où est-ce que je peux check pour avoir un lit quoi? Le problème c'est que toutes nos bases on les a faites. Attends, mais il y a bien un endroit où on a oublié de... Enfin, on n'a pas pensé, il y avait un lit. Pas possible. Dans la pyramide en Égypte, on n'avait pas posé un lit? Non, non, non. Je vais être obligé de refaire nos épisodes juste pour les trouver, ces lits. Ou les amis, vous êtes plus aptes que pour les retrouver. Moi, je pense, il me semble qu'il nous restait un lit. Et que, tu sais, pour, vu que j'en avais marre de spawner loin, je l'avais cassé. Et après, il devait être avec moi quand je suis mort, sûrement. Ou alors, je l'avais déposé dans le coffre. Et vu que le contenu du coffre a explosé avec le creeper, bah, hasta luego. Peut-être, peut-être. Mmh. On devrait casser les coffres vides. Ouais, pour se signaler qu'on les a pris. Ouais. Bon, écoute, moi en tout cas, je suis au niveau de la météorite, j'essaie de pas trop bouger parce qu'il me reste plus trop de vie, je vais attendre qu'il fasse jour de toute façon. Ouais, de toute façon, on commencera l'épisode suivant en pleine journée, je pense. Ouais. Essaie de te cacher quand même parce qu'il y a des mobs un peu partout. Ouais, non, t'inquiète pas, là je suis relativement safe. Ok. Bon, et bien, les amis, si vous avez vu un lit quelque part et que vous voulez nous l'annoncer pour qu'on soit pas perdu comme des abrutis, n'hésitez pas, vraiment, ça nous ferait, bah, ça cool. Nous ferait le plus grand bien. Et si jamais vous connaissez d'autres lieux comme les coffres cachés au début avec l'épée en or et tout, si vous connaissez des lieux comme ça qu'on aurait raté qui pourraient nous restuffer un peu, bah n'hésitez pas non plus. Bon, des trucs qu'on a loupé alors, hein, pas des trucs qui sont plus loin. Des trucs qu'on a loupé, bien sûr, des trucs qu'on a loupé. D'accord. Bon, et bien les amis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à faire un cœur avec vos mains. Et si vous le voulez aussi, à le retranscrire en pouce vert. N'hésitez pas à commenter pour nous donner vos points de vue, vos astuces, vos machins, vos bidules et les positions des lits. N'hésitez pas à envoyer un message privé à Sifano pour lui dire que c'est la musique du générique Doggy et les cafards. Car oui, il faut qu'il le fasse. C'est assez important. Et n'hésitez pas à toujours être de bonne humeur et à prendre soin de vous. C'est beau, hein. C'est beau, tu devrais faire philosophe. Bah, ou Diablo X9. C'est lui qui dit prenez soin de vous. Hein. C'est pas faux. C'est pas un troll. Y a pas de troll derrière. Il est gentil, Benoît. Oui. Bon, sur ce, on se laisse, on se fait des bisous, tout ça. Et à bientôt. Et à bientôt, c'était Sifano et Youngster Bleacher. Oh yeah. Allez, bye bye. Bye bye. Bon, on se suicide maintenant ou après? Non, on se suicide pas. Moi, j'hésite. Allez.